waterbike, c'est de l'aquabiking en cabine privée, à l'inverse de ce que l'on connaît déjà, donc dans la piscine, en milieu public. C'est très simple, nous avons créé ce marché. Monsieur Lelouch, notre fondateur, a pressenti dans les années 2011, date du premier partenariat, les bienfaits de l'activité. Et en conséquence, aujourd'hui, les gens s'appliquent à nous copier un petit peu, je dirais, c'est prétentieux, mais nous avons inventé un marché qui apporte des résultats absolument étonnants, dans le bon sens, bien évidemment. Alors le réseau se développe d'une manière rapide, et certains pourront le constater, et presque même avoir des doutes. En réalité, on développe d'une manière très rapide, mais d'une manière réfléchie, maîtrisée. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 80 points de vente ouverts. L'international, nous sommes déjà présents dans 6 pays et de nombreux autres nous demandent d'intervenir. Mais je précise et j'insiste sur ce point, nous maîtrisons parfaitement et nous n'allons pas à excès. Avec les excès, nous restons tout à fait raisonnables. Pour parler d'objectifs, comme je l'avais déjà dit l'année dernière, puisque nous étions à une trentaine de magasins, est toujours très gênant. En réalité, on espère bien sûr, comme tout un chacun, dans ce haut lieu du monde de la franchise, avoir un maximum de magasins et rendre un maximum d'entrepreneurs heureux. Alors, le modèle économique que M. Lelouch a inventé est très simple. En réalité, accueil, conseil, hygiène restent les 3 maîtres mots chez nous. Nous n'avons pas de masse salariale, en tout cas élevée, puisque le personnel est rémunéré sur une base de SMIC au temps partiel, pas de stock. Donc le modèle est simple. C'est rentable, puisque je vais être prétentieux en vous disant ça, mais nous dégageons 95% de marge brute à la séance. Notre activité est pérenne, je puis vous le dire. L'ensemble des partenaires ouverts aujourd'hui ont l'air satisfaits, puisque plusieurs ont plus 2 voire 3 magasins.